Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Civ 6 Rise and Fall. On poursuit cette partie placée sous le signe de la religion. Alors j'ai la carte d'accélération des bâtisseurs et du nombre de l'augmentation du nombre de charges. Ce serait peut-être bien d'en faire encore une. De toute façon je vais garder la carte parce que... Ou alors je change et je me dis qu'on aura peut-être juste un bâtisseur qui aura moins de charges. On a encore pas mal de cases à améliorer. Il y a des villes où on doit encore faire beaucoup de choses, on pourrait exploiter ici beaucoup de choses, donc je pense qu'on va plutôt encore en faire, ouais. Ce sera mieux. Où je les sors hyper vite. Mista Oasis, on va plutôt... On va refaire un négociant. À Poti, l'hôtel est achevé. On refait un bâtisseur. Alors, les émissaires. On a deux émissaires. Erevan, c'est bon. Bandar Brunei, on pourrait mettre les deux pour revenir à 11. Plus 1 en or pour les routes commerciales traversant vos comptoirs commerciaux à l'étranger ou rejoignant la ville. Ouais, je pense qu'on peut s'en passer. Je préférerais avoir d'autres bonus. J'avais dit que je pourrais choper Bruxelles, mais des merveilles, on va probablement... De toute façon, on n'a pas fait beaucoup pour l'instant, une, mais on n'en fera plus non plus dans le futur. Je pense qu'on va plutôt choper les bonus en allant jusqu'à 6 à chaque fois, autant que possible. C'est surtout Erevan que je voulais, hein, de toute façon, étant religieux. Donc un peu plus de culture facilement en faisant ceci. On va monter à 3 sur Atuza dès qu'on pourra. Oh, ok. Avance. Alors ici, on va avoir du mal à faire un trio de fermes ici, on ne saura plus. Non, ça c'est quelque chose auquel il faut peut-être penser au tout début, parce que ça prend évidemment de la place. Maintenant les fermes contiguës ont déjà un bonus maintenant, donc... Est-ce qu'on manque vraiment de nourriture? Si on met deux fermes ici, ça peut déjà être pas mal. Maintenant, j'avais dit que je ferais, donc on a le port ici. Je ferai la plateforme commerciale à côté éventuellement. Déjà là, je peux faire une ferme, ça c'est sûr. Il y a besoin de nourriture. Ici. Ama quoi, on a le trio. On a beaucoup de mines. Je pense qu'ici on va faire un duo de ferme. J'ai mis ceci mais il n'y a plus besoin il me semble. C'est pour l'aqueduc. Alors là je dois attendre de récupérer la case. Ce sera fait dans un tour si je me trompe pas. Pas du tout, il faut l'acheter. Ça a changé, j'ai l'impression que normalement il devait prendre celle-là, il l'a pas prise. Il a pris celle-là à la place peut-être, bizarre. C'est pas grave, j'ai l'argent. Oh, misclic. Après on a déjà deux mines intéressantes ici. C'est peut-être pas trop grave. Peut-être pas plus mal parce qu'en fait on manque peut-être un peu de nourriture. Pas des masses non plus, cela dit. On fera également une ferme ici. Bon c'est bon. Alors reste une propagation, mais je vais juste rester là en défense. L'apôtre il va se tuer lui-même à mon avis sur le mien. Propagation encore nickel. Je pense qu'à Ulm j'ai pas besoin d'y aller. Hein. Le catholicisme est entouré par le mulisme, c'est le mulisme qui prendra la place. Et en plus c'est pas une religion qui va être propagée maintenant, c'est le taoïsme que je dois vraiment cibler à fond. On y va. Prendre pied ici sur le continent, ou plutôt déjà en bas. Vers une ville taoïste. À ma grande surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le Wi-Fi. Et j'ai donc dû passer 2 semaines en Tanzanie à parler aux personnes autour de moi. Nourriture plus 2 pour les cases adjacentes. Une bonne merveille de nouveau.
trouve. L'apôtre, on l'a acheté. Ok. Les Mapuche envisagent de déclarer la guerre à l'Égypte. Ok. Ça pourrait être pas mal. Il s'est fait dégommer tout seul, ça c'est très bien. La science doit plus au moteur à vapeur que le moteur à vapeur ne doit à la science. Ok, super. Pour optimiser ici, il faut un cuirassé à vapeur, on va essayer d'en faire quelque part. J'ai mis la carte qui permet d'augmenter la production des unités navales, donc ça peut être le moment d'en faire un. On va déjà faire un petit morceau de la recherche. Le phare est achevé, j'ai pas de port ici encore. Si, il est là. Bon, je pourrais très bien faire ici. Le cuirassé 7 tours. Il y a sûrement moyen de faire mieux, plus vite ailleurs. Quoique. Quoique, on va le faire là. Et on va venir exploiter de la jungle pour le sortir plus vite. Je pense qu'avec ces deux unités, ça devrait aller. Pour les barbares. Ce bâtisseur, il va aller justement ici aider. On va couper. Alors l'apôtre ici. On va prendre de nouveau des batteurs, mais je pense qu'après j'arrêterai. Et ici. Ici je veux laisser la place pour oui, la plateforme commerciale. Là aussi j'en ferai une pour cette ville là. Donc toi tu vas redescendre, on va de nouveau aider on va se mettre là et défricher. Ouais. Mon ami l'apôtre ici va débarquer là, pas trop loin de Aix. S'il n'y a plus de propagation, on se balade, on révèle le terrain, pas de problème. Oh, ils ont une centrale nucléaire ici. Centrale électrique. Mais c'est une centrale nucléaire en fait. Hein. Oh là 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 là. Faut vraiment pas qu'ils nous déclarent la guerre. Alors ça y est, il est arrivé. On fait un soin. On en a trois. Boum. Eux auront encore besoin, mais déjà eux sont complètement guéris, on peut les envoyer. Je sais pas trop comment on va les placer. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de les envoyer de manière passive-agressive, on va dire, du côté des hindouistes. Pour qu'ils se fassent attaquer et que la religion dégage. Maintenant, si elle dégage, ça va être le catholicisme qui risque de prendre le pas, donc... pas si utile, mais on va déjà les approcher. On va en approcher quand même déjà vers l'Allemagne. Voyons-les dans ce coin-là, déjà. Ceux qui sont encore blessés, par contre, on va les laisser. Non, ceux qui sont blessés, on va les envoyer vers une nouvelle zone de soins. Il va être plus par ici. Je pense ici au sud de Cologne, on peut se mettre ici par exemple. Ce sera bien. On se met là, je vais bouger le gourou au milieu. Révolte dans 11 tours, tiens. To Wheat Town. Oh.
Je ne comprends que l'amitié ou la politique de la terre brûlée. Alors, on va changer un peu les cartes parce que... Ça, on va garder. Je vais enlever la production supplémentaire pour les... Je vais regarder combien devait encore se finir. Je bégaye beaucoup aujourd'hui, désolé. Les citoyens de Gori sont les premiers au monde à découvrir que la vie est plus belle et plus propre en s'éloignant un peu du centre-ville. On a construit le premier quartier résidentiel au monde. Lié avec tous ces bonus, on ne doit pas trop en avoir besoin. Je suppose. Alors, bâtisseurs, combien encore doivent se construire? Et en combien de temps? Il y en a quand même deux qui vont sortir, j'aimerais bien qu'ils aient 3. 4. 4 vont sortir très vite, donc je vais garder la carte. Parce que 4 fois 2 aménagements en plus, ça me fait quand même 8 aménagements en plus. Ça vaut la peine de garder la carte pour une doctrine en plus. Bon, je la laisse, donc je pense qu'on va rien changer en fait, on va laisser ainsi. Promotion, on va d'abord dans l'eau. On peut acheter un gourou, on va attendre un apôtre. Alors je suis en train de faire un des deux ici, on va regarder lequel c'est. Je sais plus. Ah non non, j'ai fait un bâtisseur avant. Donc... On peut faire les deux à la suite en laissant la pour le boost. Je pense qu'on va faire ça. Je vais essayer d'éviter d'aller trop dans l'ère moderne s'il y a moyen. 17 à 37 tours. C'est chaud. On a... Il nous manque que 6 points cette fois-ci pour sortir enfin de l'âge sombre. Ce serait cool. On a fait un quartier résidentiel à Gori, ici. Remparts médiévaux, bourse. Faire un négociant. Un Mickey. Ici on peut en 8 tours sortir déjà un des deux. Dans le musée d'art. Ah, c'est embêtant. Pas non plus plus pressé que ça, on va revenir là. L'important c'est de les empêcher de sortir et de nuire à mes aménagements le temps qu'on vient de les détruire avec l'infanterie. Là évidemment contre l'infanterie ils vont pas voir le jour. Donc nouvelle zone de soins, j'avais dit que ce serait du côté de Cologne. Ici. Beau cuirassé allemand. Super. Donc une propagation est blessée, donc on va le placer dans la zone de soins. Près de Cologne, donc tu peux venir là. Ok, alors on va peut-être défricher la forêt là, il n'y a pas besoin de la garder. Alors l'espion. On a déjà les sources activées. 1900 en or m'intéresse, hein. 3 chances sur 4 de les avoir. C'est plutôt pas mal, et ici on va prendre les sources. Et on essaiera de voler une optimisation. Lotaro a déclaré la guerre de nouveau à l'Égypte, il faudra surveiller un petit peu comment ça se passe. J'ai un peu peur pour lui, l'Égypte me paraît encore puissante en fait. Au niveau territorial, le développement, elles sont bien. Elle est bien plutôt. Alors, que pensez-vous? Qu'est-ce qu'il veut? Il m'offre du pétrole. Il veut un charbon pendant 30 tours. Ça m'intéresse de lui donner parce que j'en ai 3 de toute façon déjà. Et j'aimerais bien qu'il soit efficace contre l'Égypte. Je pense qu'on va accepter de lui donner ce qu'il veut. Pour l'aider à se renforcer un peu.
peut-être qu'il y aura une urgence qui va se déclencher aussi, comme on est leur allié et qu'ils se battent contre l'Egypte. Ça, si ça arrive, on essaiera d'intervenir. Ce sera chouette. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a pas mal de bois qui sont pas le long de l'eau. Je pourrais quand même en couper un peu. Si on a déjà une ferme, on pourrait faire une deuxième ferme ici. On va faire des remparts. La bourse est achevée ici. Le tsiki, je le veux, hein, je le veux plus de fois. On a un problème d'habitation par contre. Je pourrais vouloir refaire un quartier résidentiel éventuellement ici. Enfin, refaire, je n'ai pas encore. On a plus 4 ici. Plus 5 là-bas, qui ne me sert pas à grand chose d'autre. Ah, Mistawazi, c'est un négociant, très bien. 3 tours pour les remparts antiques. Quand on se ferait attaquer, ce serait quand même bien d'en avoir ici. Ok, on a boosté le musée d'art, c'est plutôt cool. On va voir le boost. Alors, nouvelle route commerciale, c'est toujours vers Pewen Mapu qu'on peut aller. Mais là, maintenant, c'est plus 4 en production. Ça aide quand même bien. Peut-être au niveau de mes nouvelles villes, quoiqu'elles se débrouillent quand même pas mal. À Rustavi, ça pourrait vraiment aider. Je vais passer ici. Voilà. Toi. Oh, une propagation. D'accord, on a déjà utilisé les propagations. Oui, mais on peut se battre. En plus, c'est un taoïste. On va le dégommer et on va du coup... C'est un peu dangereux pour toi, mais... Qui a-t-on d'autre dans le coin? Lui, il est blessé. On va ramener les blessés donc du côté de Cologne après. Ils le sont pas, on va aller par ici. J'ai un petit peu peur pour lui. C'est un débatteur en fait le leur, là il a plus 20. À E2 ça devrait aller mais je veux pas précipiter les choses, on va pas attaquer nous-mêmes. Attendre. Pense. Ah, on va l'avoir à notre tour, c'est bon. Du coup, Aix, on ne devrait même pas la convertir. A priori, elle va... La religion va sauter d'elle-même. J'espère. Moins 250, mais... Si un apôtre prêt à convertir...
remonter pour soigner, d'accord. Ah, Mascotiu, bâtisseur achevé. On a des petits soucis d'habitation, mais on a encore beaucoup de choses à améliorer. On va faire un trio de fermes qui va permettre d'augmenter le nombre d'habitations. Non, on va faire l'armurerie. Je vais déjà commencer ici en fait. Ici on manque cruellement d'habitations également. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Des fermes. Je pourrais pas faire l'aqueduc parce qu'on n'a pas d'emplacement correct. Donc je pourrais faire un quartier résidentiel. Ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on l'a, on est quand même content de l'avoir. Donc je vais le faire ici. Ou alors je garde l'endroit pour faire le trio de fermes ici. De la nourriture. En même temps, je pense pas, parce que je pense qu'on va garder ceci pour des séries, pour avoir de la production. Je vais le faire là. Et toi tu remontes vers Cologne. Toi t'as la propagation, on va plutôt s'en servir pour propager. Se mettre donc comme ceci. Toi tu viens là. Toi t'es pas blessé en fait, qu'est-ce que tu fais là? Lui non plus ne l'est pas. J'ai un gourou là, encore un ici. Celui-là va servir plus bas. Pour plus tard. Franchement les combats ça se passe bien. On va prendre de nouveau. La propagation 3 fois plus forte dans les villes des autres civilisations. Traducteur, c'est bien. Dans un tour, on intermise ceci et alors on aura le boost. Ça va complètement coller avec l'acier en fait. Donc on peut laisser ainsi. On fait une ferme. On arrive à la rescousse de nos cavaleries. Bon. Alors ça y est, on va vers Pewen Mapu. Ça va aider la ville. Ça va aider le développement de l'alliance. On a perdu l'alliance avec elle, il faut la refaire. Scientifique, c'est ce qui m'intéresse le plus, je pense. Pour l'instant je fais pas de route avec elle, mais l'important c'est qu'on soit en alliance pour voilà qu'on soit copains et qu'elle ne déclare pas la guerre ou quoi que ce soit du genre. Pas envie. Okay, on va faire une série ici. Et on peut prendre de nouveau un apôtre. C'est parti. Franchement, la croyance qui permet de réduire de 30% le coût des unités, c'est un must. Pour moi, c'est vraiment un must. Bien content de l'avoir prise. On est reparti pour traverser les mers. Alors celui-là n'a plus de propagation. On va amener le gourou pour les soigner, ces deux-là, je pense. Donc l'idée ici, c'est de se mettre comme ceci.
c'est bon. Donc tu vas avancer déjà un peu là. Alors il veut m'en faire. Il vient du thé, il m'offre des choses. Ah, lui offrir du fer, j'ai pas trop envie, mais je pourrais. Hein. On va accepter. Pas de culture en plus par tour. J'espère que je vais pas le regretter. L'Écosse dénonce l'Allemagne, parfait. Ce n'est pas toujours le meilleur acier qui brille du plus bel éclat. Alors, artillerie, cuirassé. Les cuirassés demandent du charbon, donc c'est bon. Pétrole. Production plus 1 pour toutes les scieries. Débloque les défenses urbaines, octroyant à toutes vos villes 200 points de puissance de retranchement et la possibilité d'attaquer une fois à distance. Les remparts présents deviennent obsolètes. Et les unités de siège de soutien ne sont plus efficaces, d'accord. C'est le dernier niveau de défense des villes. Et puis on a le pétrole. On va aller voir ça. Il faut pas que j'oublie que faire pour la première fois une unité qui demande une ressource stratégique donne encore un point de score d'air. Il nous manque que 5 points. Il y a moyen, je vous dis. Alors ici, je voudrais vraiment poursuivre sur les unités militaires. Bon, cuirassé 15 tours, mais c'est vraiment très très important. Ça paraît pas si outrageusement long que ça. Moins en activité, ce qui me donne moins 5% de production. C'est encore gérable pour l'instant, je vais me faire un cuirassé. On va de toute façon l'accélérer un petit peu. Tour. Alors ici. Ici. Deux tours pour le moulin à eau, franchement, on va le faire. Clairement, je veux un chantier naval aussi assez vite. Mais on manque d'habitation, donc là ça va être le bâtisseur qui devra s'en occuper. On va quand même faire cette fameuse plateforme commerciale ici qui est très bien située. Ça ira relativement vite. Alors un nouveau négociant. C'est vrai que j'aille un petit peu plus loin au niveau des quartiers de divertissement. Qu'on amène un bâtisseur du côté de Gorille aussi. Alors les quartiers de divertissement, faisons un peu le tour, on en a un. Où est-ce qu'on en a un déjà pour commencer? Ça ressemble à quoi? Aqueduc, ça c'est la plateforme commerciale là aussi. Ça ressemble à ça, d'accord. On va couvrir ces villes-là. Il me faudra également un quartier divertissement dans ce coin-ci. Bon, je verrai au fur et à mesure, en fait. Là, on est à Gorille. Il y a un quartier divertissement, donc manque d'activité, mais ça, je vais essayer d'aller faire un petit peu le tour des voisins pour les ressources de luxe. Et en attendant... En attendant, on va faire une bourse. Parlant de bourse, on est toujours premier pour le marchand illustre, je le veux. Et on essaiera peut-être de choper l'ingénieur illustre ici.
Maintenant, attrait plus 1 pour les cases possédées par ces villes ne m'intéresse pas, donc on va le laisser passer. J'espère qu'il y en a encore un après l'ère moderne. L'ère moderne, je suis pas sûr. On aura à un moment donné deux quartiers résidentiels, mais... Je pense qu'on va prendre la combustion, à 5 tours. On pourra exploiter le pétrole. Plus 1 de mouvement pour nos apôtres embarqués. Alors, Gori. On va bouger. On va bouger ici pour pouvoir aller éventuellement plus loin. Allez, un nouvel apôtre, super. Promotion, bah, traducteur de nouveau, hein, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Alors, est-ce que je fais une série ou pas? Les séries deviennent quand même intéressantes. La case de base fait quand même déjà deux de nourriture. On a pas mal de bouffe déjà ici. On va faire la série. Eux ils bougent pas, ils attendent que l'autre arrive, quoique lui va quand même venir convertir. On va attendre. Ah si, il y a un apôtre ici. Un apôtre ennemi. Ce qu'on va faire, c'est que toi tu vas aller là. Comme promotion, toi tu vas prendre quand même... Tel... Ah j'ai déjà pris peut-être. Des batteurs on a déjà pris, d'accord. On va prendre quoi alors du coup? Pas traducteur. Je reviens là. Tu n'es pas blessé, tu descends. On va essayer de choper les apôtres ennemis. Hein. On a quasiment la... couronne d'apôtre complète. Vaut la peine de lancer le soin déjà maintenant, je pense. On va pas attendre. Super. Il commence à avoir pas mal d'unités religieuses à bouger quand même. Hein. Ça commence à faire quand même un petit nombre. Mais tant mieux, hein, j'ai pas à m'en plaindre. Alors du pétrole, il y en a là. Je crois que j'ai pas vu d'icône. Je n'ai pas vu d'icône de pétrole, ce qui veut dire que je n'en ai pas sur mon territoire. C'est quand même vraiment pas de bol, dis donc. Pourtant un territoire quand même assez grand. C'est-à-dire que je serais obligé peut-être de venir. On en a échangé, hein, mais. De venir faire une villa pour avoir du pétrole. C'est très embêtant. Alors ici on n'a pas fait de bâtisseur, est-ce que j'irai aider un peu? Et c'est qu'il n'y a plus vraiment de cases intéressantes. Bon, les mines sur... oui, peut-être une mine ou deux, on peut encore faire. Ok, le cuirassé, on va le laisser ici protéger le coin.
Parfait, les débatteurs, celui-là, donc nickel. Le ballet projette à la fois une force fragile et une précision inflexible. Grand opéra. Le bonus, symphonie, point de musicien illustre et théâtre Bolshoï. Tout ça, c'est pour la culture. Ok, on se quitte ici pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on regarde pour les cartes si on doit changer ou pas. Dans la vidéo prochaine, on aura les blindés. On pourra éventuellement décider de peut-être se joindre à Lotaro dans la guerre parce que je pense qu'il est en train de se faire défoncer potentiellement. Il n'a pas l'air d'avoir perdu de ville, cela dit. Et en plus, les unités égyptiennes restent plutôt de mon côté, donc... je sais pas, apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, on se quitte là. Attention au taoïsme qui est venu se mettre là, mais... on enverra un apôtre travailler dessus. Pour le reste, on a gardé la religion correcte ici, c'est bon. Je vous souhaite une bonne continuation, on se retrouve très vite. Salut à tous!